précédemment dans une maison africaine. Je te dis, si quelque chose arrive à mes enfants, je te porte responsable. Vas-y, me blâmer, c'est pas spécialité. J'ai plus envie de. Bébé, j'ai reçu des appels manqués venant de KFC. C'est qui KFC? Si je savais que tes suivre là, c'était aussi un fardeau très lourd, je n'aurais jamais fait. Le confinement et les fermetures ont eu un effet dévastateur sur l'économie locale. What we've seen is a lot of members of our community losing their jobs. If we Chérie. Chérie, viens. Je dis, chérie, tu m'appelles comme si je suis perdue dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Et le troisième joueur ressuscite Butler, oui. Ouais, merci Seigneur. L'enfant prodige finit toujours par revenir. Je savais que c'était une question de temps. Je ne sais pas s'ils sont fâchés au côté de mon retour. Cependant, c'est mieux que suivre Mijo avec ses plans qui foirent à tous les coups. Marie, ma fille, te voilà enfin. J'ai appelé sans faire. Personne n'a décroché. Mademoiselle, où est ta soeur? C'est vrai. Mijo, ma fille, elle est passée rouge. J'espère que rien de grave s'est passé. Et en passant, on ne vous a pas chassé avec les habits ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On est resté chez un ami à Mijo. Voilà, et puis c'est lui qui nous a donné les habits ici. Donc, ce qui concerne Mijo, voici ça. Oh. À peine arrivé, je vois que tout le monde est en train de me regarder. Si elle arrive au bon moment, parce que moi et puis le mensonge là. Elle n'a pas dit que sa bouche là, ça ne peut pas qu'à le son. Si elle fait l'erreur de me trahir, je vais l'envoyer aux urgences. C'est un peu comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Mademoiselle, tu sors d'où? Je sors de chez un ami. Oui, Maro et moi, on est venus s'excuser auprès de vous, mais comme elle marche plus vite que moi, elle m'a devancé. Voilà, c'est pour ça que je suis venue en dernier, sinon on était ensemble. C'est vrai, Mijo et moi, on est venu s'excuser, on est venu enterrer la hache de guerre et on promet on va plus recommencer. Mais je t'ai pas entendu. Maman, papa, je voulais m'excuser pour ce comportement-là et tout. Je vous écoute. Les actions parlent plus que les paroles. Comme punition, vous deux, vous allez m'écrire sur une feuille blanche 3000 fois avant ce soir. Je ne sortirai plus sans l'accord de mes parents. Compris? Vous devez disposer. On va en reparler. Les enfants, ils pensent que quoi? Qu'ils vont venir, ils vont s'excuser, que leurs péchés seront lavés. Accepter le pardon serait trop facile. Le crier dessus serait trop extrême. Non. Je ne fonctionne pas comme ça, je ne suis pas Jésus, moi. 3000 mots. Papa, parce que c'est qui? Il a joué bité ou bien. Et parce que moi, je suis au robot pour dire 3000 mots avant le soir. Papa, mais merde. La journée sera très longue. En plus de ça, il a ajouté 3000 mots avant ce soir. Peut-être même suivre, mais je ne sais pas. C'est bon. Vraiment, avoir des enfants et trouver le juste milieu, c'est compliqué, mais pas impossible. J'espère qu'il n'est pas sérieux d'un. J'espère que tout ce qu'elle dit ici, là, ça reste ici, de... parce que moi, je n'ai pas de troisième guerre mondiale. Je ne vais plus sortir de la maison sans me compte. Maro, ça va? Tu m'as pas l'air bien depuis tout à l'heure. C'est juste des mots de tête, ça va passer. Ça fait combien de temps? Ça a commencé depuis que j'ai entendu qu'il faut écrire les 3000 mots, là. Ah, ton père aussi, lui, il exagère, c'est quoi ça? Moi, je pense pas qu'il est trop sérieux de toute manière. Mais en passant, hein, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis pour que tu reviennes ici? Hey, mets-toi de tes ennemis, tu comprends? Mets-toi de tes ennemis. Compris. Connaissant ta mère, là, si la situation n'avait pas fini jusqu'ici, je propose qu'on trouve une version identique là, pour ça qu'on va parler. Là. Tu vois, hey, ça c'est va... pas la peine de proposer. Ce que tu as dit là, c'est à peu près la même chose que j'avais dit avant que tu ne venais. Donc, t'inquiète. Donc, pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Pour que ça crée encore troisième guerre mondiale.
Il y a trop de tensions comme ça, je suis fatiguée. Bon, j'apprécie beaucoup. Et puis... J'ai pas fait ça pour toi, j'ai fait ça pour moi. Donc, De toute manière, moi, je vais aller me laver. Donc, Pourquoi c'est toujours toi qui vas te laver la première? Chaque fois, moi, elle te laisse. Aujourd'hui, là, moi, elle va aller. Marie-Ro. Mon pasteur, c'est de lever ma roue. Et c'est dans ces moments-là que je comprends vraiment l'utilité de maman. Pourquoi c'est toujours moi la paix de cette maison? Elle oublie qu'elle a deux enfants au bout. Qui aime bien châtier bien? Voilà, maintenant, je vais se laver en première. Maman, tu m'as appelé. Maman, tu peux t'asseoir, je ne mords pas. En fait, il faut que tu saches que pendant 3 jours, j'ai veillé et prié sans dormir. Parce que j'étais tellement inquiète. Et en tant que mère, cette histoire-là me traumatise beaucoup. Je dis, l'ami dont tu as mentionné, là, est-ce que moi et papa, est-ce qu'on le connaît? Maman, fait de mon ami, c'est son ami. C'est vrai qu'il le connaît vraiment tellement, c'est pas toi. Yesh! Vraiment pas chance. Donc si je comprends, mais tu le connais même pas. Non, pas vraiment. Yesh! Marie, c'est ça ton problème. Tu es là, tu aimes suivre les gens de bêtement. Comme un mouton sans cervelle. Je dis, ouais, passer ton sens d'intelligence. Chérie, tu entends ça. Donc, c'est-à-dire que si on t'emmène dans un trou, toi aussi, tu vas aller tomber. Fia! Fia! Tu réfléchis, même. Il y a la bouillie dans ta tête. Mais ça t'étonne de quoi? Qui s'assemble, se ressemble, c'est normal. Il faut arrêter de suivre les gens bêtement et aveuglement. Tu comprends, non? De toute manière, on en reparlera. En tant que mère, c'est mon devoir de vous protéger du savoir qui vous fréquente. Tu comprends, non? Donc l'ami là, il est qui pour Mijo? Mon intuition me dit que ça là c'est un piège. Regardez-moi le baloc non. La fille s'y rend ma stratégie plus difficile que je ne pensais. Soit je perds la confiance de Mijo en disant la vérité, soit je continue à toujours me faire crier dessus. Connaissant ma fille, elle fond plus rapidement qu'un glaçon au soleil. C'est juste une question de temps et de façon pour faire de la sorte. Si je dis aussi, c'est pas facile. Comme un magicien, j'ai toujours les tours dans mon sac. Je vais passer à la carte biblique. Ça marche à tous les coups. Tu ignores quoi. Maman, moi, je sais pas vraiment. Faut demander à Mijo. Bananoba. Je dis, pourquoi tu es méchante comme ça, Marie? Hein? Mijo s'en va à sa perdition, je promets, je te porte responsable. Tu sais pourquoi? Parce que tu refuses de diffuser la lumière là où il y a l'obscurité. Qui ne dit rien pour ça? Et qui consent est associé au péché? Et qui est associé au péché ira directement en enfer. Et je sais que toi, tu as la crainte de Dieu, c'est pas là-bas que tu veux aller, n'est-ce pas? Marie, tu te rappelles du proverbe 12-22? Évidemment, tu ne lis pas ta Bible. Les lèvres fausses sont en horreur avec l'Éternel. Mais ceux qui agissent en vérité, lui sont agréables. Marie-Romaine, pour la dernière fois, dis-nous la vérité. Que sais-tu de ce cas-là? Pourquoi je ne me suis pas attendue à ça? La carte biblique. Elle m'a eu d'elle. Elle m'a eu même. On ne peut pas cacher la vérité, même pas avec la main. Tôt ou tard, elle finit par sortir. Quand elle sortira, je serai prête pour l'accueillir. Donc voilà, maintenant vous connaissez toute la vérité, c'est tout ce qui s'est passé. Tu es maintenant enfant de la lumière, c'est ça, il faut faire le bon choix dans la vie. Tu dois choisir toujours la lumière, c'est important. Je ne veux pas le dire à ta soeur en partant que j'attends vous deux vos 3000 mots ce soir, tu comprends? Je pense qu'il est temps de faire ce que je devais faire depuis le début de leur création. Jésus, tu vas m'excuser, mais cette fois-ci, je me charge. Qu'advienne ce qu'il advienne. Moi, je pense que j'ai fait le bon choix. Bon, du moins, j'espère. Tu défais déjà tes cheveux, ça n'a même pas duré. Avec tout ce qui s'est passé là, moi, j'ai besoin d'un changement. Mes cheveux, là, me grattaient trop. Toi, tu défais pour toi quand même. Allez, défais pour moi le soir. Attends, j'ai fini mes 3000 mots là d'abord. Très bien pour toi. J'ai dit, maman t'a appelé pourquoi?
Pourquoi tu veux savoir? C'est pas toi qui a dit chacun n'a qu'à se mêler de ses oignons. Je vois que tu es vraiment rancunier. Je ne suis pas rancunier, j'utilise juste un mot contre toi, c'est différent. Ok, excuse-moi, alors faut parler. Ah, c'est nouveau. Mais je qui me demande pardon, waouh. Faut pas gagner temps. Comme quoi? Elle a dit quoi? Bon, elle a juste demandé à propos de l'ami là. Et puis toi tu as dit quoi? À la base j'ai fait comme Pierre, j'ai dénié. Mais après là, elle a fait sortir la carte du blic. Ah, la carte du blic. Je sais ce que toi là, tu as fondu comme un glaçon. Bon, oui, on peut dire ça. Mais bon, elle m'a dit de la faire confiance, donc j'ai fait ça. Et toi, naïvement, tu l'as cru, n'est-ce pas? J'aurais jamais pensé que toi, oui, toi, m'a redevenu Judas, tu allais me faire ça, me livrer aux soldats. Maro, là, c'est ça son problème. Elle n'utilise pas sa tête pour parler. Elle utilise sa bouche. Elle passe les mots. Mais j'ai aussi, c'est ça son problème. Elle aime trop dramatiser les choses, il n'y a pas de drame. Voilà ça. Troisième game maintenant déclenché. Contrairement à elle, moi, je garde la foi. Je la fume conviction. Je crois, j'espère. Que ça là, c'est pas aussi grave que ça. Tout sauf ça. Hein? Maro devenu Judas. Qu'advienne ce qu'il advienne. Au moins, moi, j'ai la conscience tranquille. Du moins, je pense. Il nous a tous mis dans paix. Je dis bien tous. Ah, mais vous pensez ça? Je ne dis pas que la carte biblique est plus seulement confiance, c'est une stratégie inventée par les mamans africains au 18e siècle. Elle a pour but de soutirer les informations à travers les textes bibliques pour te mettre la pression, pour que tu dises tout, que tu vas dire tout là. Elle va utiliser ça contre toi. Et puis qu'elle va utiliser ça contre toi là, elle va te rendre la vie misérable. Tu sais pas ça? Tu sais pas ça? Moi, j'ai pas été autant vaccinée que toi sur ce coup-là. Donc, bon, wesh, la famille, vous savez déjà quoi faire. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié. Moi, je pense que c'est pas aussi grave que ça. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Commentez dans les commentaires pour que je sache. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater chaque fois que je pose des vidéos, que ce soit en français ou en anglais. Et aussi, si vous n'avez pas liké, là. Je sais qu'elle a parlé de Proverbe 12, 22. Elle a parlé de, oh, il faut diffuser la lumière où il y a l'obscurité. C'est pas ça? Yo, tu me fais peur. Moi, je pense que c'est pas aussi grave. Je sais pas, ça va. La troisième game mondiale que tu voulais éviter là, la voilà maintenant déclenchée.